et voilà. Et un gros broum à la scène, un gros broum à la scène. Voilà, c'est une équipe de Lafan qui, avant la trêve, avait bien débuté le championnat et vers la fin, si n'était pas... Qu'est-ce qui explique le fait que vers la fin, vous ayez un peu dégringolé quand même? Je vous dis d'abord merci. Et je peux dire, comme je l'ai dit dès le début des phases allées, que nous avons commencé un peu tard la préparation des phases allées. Et ce qui a un peu pesé sur nous vers la fin, voilà, c'est de l'oubli, c'est une chose passée. On espère redevenir sur de bonnes bases et puis essayer de faire mieux. Voilà. Et là, dans les 11 entrants, il y a quand même deux nouvelles recrues, Guilas, l'attaquant, et puis vraiment, Diaby, ça me dit que ce sont de nouvelles recrues qui vont vous donner plus d'arguments pour aborder ce match contre le COE. Oui, on peut le dire, comme d'autres équipes qui ont fait de nouvelles recrues. Et puis bon, on espère que cette nouvelle recrue va nous apporter un peu plus. Et bon, voilà quoi. On espère que ça va beaucoup nous apporter et avec obtenu plusieurs victoires et obtenu plusieurs points. Voilà. Merci. Bon match à vous. Ngobro Manassé à l'instant, le capitaine de cette équipe de l'AFAD d'Abidjan. Ngobro Manassé au passage, on le rappelle, est passé du côté de l'Académie Mimosifcom en 2012. Il y était. Il avait même été du groupe de l'Académie qui avait remporté la toute première édition du tournoi international du district d'Abidjan, dénommé TIDA, qui est un tournoi prestigieux des meilleures écoles de football. Et c'était face à l'équipe de Barcelone. Ouais. Et il fallait le faire. Et après, le garçon a grandi. Il a fait ses armes du côté de la Société Omnisport de l'Armée. Il est revenu en équipe première de l'ASEC Mimosa. Et là, il a suivi Guamene Maxime, le coach actuel de l'AFAD d'Abidjan. Eh bien, c'est dire que voilà, l'homme lui a donné toute sa confiance, ouais, et il hérite clair. Même du brassard de capitaine, oui, de cette équipe. C'est clair, hein, porter le brassard d'une équipe comme la FAD, hein, qui postulait des joueurs de grande qualité, c'est pas rien. C'est dire toute la confiance que ses dirigeants et surtout son entraîneur mettent en ce joueur. Voilà. Ah, avec Ekissi, Manassé obligé de leur position. Et là, c'est aussi avec Ibrahim. Face à Dandé, le capitaine de la FAD d'Abidjan qui est un peu compliqué lui aussi. Attention au courant, on va l'observer sur pénalty Manassé. Et c'est sans problème. Ah oui, il doit s'y connaître. Ce premier match du championnat, voilà, c'est terminé. Cette phase ici, à la perte de balle, et ici, heureusement, derrière, le bon, il y aura ce coup franc. Personne autour, Manassé.
patte de Dandé Junior. Eh bien oui, nous en avons mis comme ça une fois lors de la première partie du championnat. Il récidive.